Pourtant, ce miracle économique repose sur 14 000 travailleurs immigrés, dont 40% sont sans papiers. Ici en Almiramar, il y a un port le plus grand d'Espagne. Beaucoup de bateaux dans le centre, beaucoup de restaurants, de bars. À côté, il y a dans le centre aussi un terrain de golf de 27 trous. La Provence Almeria, c'est la seule Provence dans toute l'Andalousie qui gagne d'argent. Tout l'autre Andalousie, il faut demander d'argent de Madrid pour soutenir l'économie. Et El Ejido, c'est le centre de l'agriculture. Il y a beaucoup de gens d'El Ejido qui sont agriculteurs, qui ont gagné d'argent d'agriculture, qui maintenant pouvaient acheter un deuxième appartement dans le Miramar. Et maintenant, on voit beaucoup que des gens d'El Ejido, ils habitent 4-3 mois en été, ici en El Miramar, mais en hiver, on revient à El Ejido pour travailler. Parce que c'est plus proche de Serres. Chaque jour, des tonnes de fruits et de légumes infestés de pesticides sont jetés dans la nature. Mais les agriculteurs semblent avoir trouvé la solution contre ce gaspillage. Des fermettes de recyclage.
La vie à El Ejido est très dure pour les gens qui pensent autrement. Je vais essayer de manger quelque chose. C'est dur pour ceux qui pensent différemment et pour les immigrés. Notre quotidien est une lutte permanente. Nous sommes de moins en moins libres. La démocratie, les filtres démocratiques n'ont pas fonctionné. Et ça ne fonctionne toujours pas. On nous a dénié le droit de vivre. Comme on est en train de le dénier aux journaliers qui travaillent dans l'agriculture intensive sous plastique. Le patron de cette serre ne nous laisse pas remplir nos bidons d'eau ici. Alors on vient le dimanche ou à l'heure du déjeuner quand il n'est pas là. Nos amis qui travaillent ici nous ouvrent la porte. Parfois, quand on arrive ici, le patron a coupé l'eau. On fait quoi alors? Il n'y a pas d'eau avant des kilomètres. La seule solution est de puiser de l'eau du bassin et de la faire bouillir avant de la boire. Ça nous permet de tenir 2 jours jusqu'à ce que le patron ouvre de nouveau le robinet. Beaucoup de gens ont des problèmes de reins à cause des produits qu'il y a dans l'eau du bassin. Mais on n'a pas le choix. Comment faire autrement? On n'a pas d'autre point d'eau. On peut se passer de manger, mais pas de boire. On peut tenir 2 jours sans nourriture, mais pas sans eau. Surtout avec ce travail sous les serres, le plastique et la chaleur. On consomme environ 5 litres d'eau par personne et par jour, en plus de l'eau qu'on utilise dans les chabolas.